Je pense qu'après ce résultat des élections et ce qui a été réussi entre l'attitude du PSOE et l'union qu'a fait Soumar, il faut que tout le monde saisisse ce moment-là pour éviter que les mêmes problèmes qui existent en Espagne, avec la droitisation du Parti populaire, la naissance d'une force d'extrême droite et une nostalgie revendiquée du franquisme et de l'histoire de la part d'ombre de l'histoire espagnole contre laquelle la démocratie s'est finalement dressée, eh bien je pense que ça passe par des actes forts. L'amnistie, par rapport à ce qui a été fait comme persécution du nationalisme catalan, me paraît un acte tout à fait fondamental et nécessaire. Il faut, à un moment, solder l'impasse d'une persécution d'un mouvement politique, l'impasse d'une persécution d'un mouvement, même si on est en désaccord avec lui. On ne règle pas par la persécution judiciaire et policière des débats politiques légitimes, par rapport à un pays qui assume sa diversité, qui assume sa pluralité. Et donc il faut clairement assumer cette question de l'amnistie. Mais pour qu'elle soit clairement assumée, il faut que du côté du nationalisme catalan, un effort soit fait, me semble-t-il, pour comprendre que la fuite en avant solitaire qu'il y a eu à un moment à Barcelone, a loin de créer quelque chose qui rassemblait, a créé au contraire une opportunité pour la division, a créé une fragilité. Il y a des causes d'identité nationale qui sont légitimes, mais elles ne doivent jamais verser dans une logique dominatrice. Elles doivent toujours se penser en relation avec d'autres identités. Si le nationalisme catalan devient un nationalisme de fermeture, de clôture, de force économique qui méprise d'autres réalités, eh bien, il ira lui-même dans une impasse. Il ira lui-même dans ce qu'il a combattu, c'est-à-dire une domination